bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrons la CAO pour capable porter une nouvelle émission. Moi, dans la oui, moi, tant des informations si là, moi, just packing comme mon côté là pour me capable de donner information. N'a pas excusé, si nous avons des écho, nous voir, n'a pas excusé, tout, si nous avons des bruit machine, cap passer, bruit moto, tout simplement, parce que nous-mêmes, nous là, c'est pour nous capable d'informer, ou porter un maximum d'informations. Bah, c'est parti. $96,000 US. 96 000, il faut donner le chiffre exact, $900. Écoutez bien, $96,900, c'est quantité l'argent qu'il a perdu. L'autre des informations sur Riwi, comment il fait perdre comme ça? Eh bien, on dit qu'on petit qui est Samuel Dumé. Monsieur Brancobla, il joue pied. Quête, monsieur. Monsieur plus intelligent que t'il a lui là. Monsieur kidnappé. $96,900 pour t'il appeler. Ben oui. Mais c'était qu'on a pris un petit cobio, petit cal, petit cal dans le cas. Mais t'il appeler, il y a un peu de suspect ça. Et puis là, monsieur gardé, monsieur Welka font gros coup. Eh bien, ils font gros coup. Pourquoi il est là, monsieur jeté là. Pendant que monsieur commence à faire petit jouet, à prendre petit cal, à picher un cobla après 3 jours, monsieur prend masse comme ça, monsieur allez. Mais c'est un pitance pour Negio, mais c'est beaucoup pour type là, parce que là, imaginez, $96,900 américains, c'est beaucoup. Eh bien, pourquoi elle est là? Monsieur pas fin, trop sent-il bien. Monsieur a appelé des marchés Kaougan, et monsieur, ma qu'on est-ce qu'il a cherché Marie-t-il appelé? Il y a une manière pour t'il appelé pas manger. Bon, monsieur a baillé au grand manger, bon, t'il va aller dans comme ça arrive, en vrai. 96 000, bon. Si monsieur baillé au grand manger 6 000, c'est pas grave, parce qu'il va très différent comme là. Et monsieur gagne deux autres frères qui connaît avec lui tout, qui n'a pas marché Kaougan, parmi eux, qui est le mal comprendre. N'ayez pas de base là, bon, ça qui arrive peut-être que n'ayez pas mal passé, et puis bon, Samuel lui-même, lui passé, il fait ça que ça, mais pour monde qui par contre Samuel. Alors, si la police jeune lui, la police est capable d'arrêter, mais c'est pas pour question comme Tilabli, non le bras. La police est capable d'arrêter parce qu'elle est dans base Tilabli. Comprenez bien ça, m'a dit nous, hein? Comme si on est qui font l'autre nèg en coup, ben ça pas déranger la police. Par exemple, sous Pranzo qui était sauvé avec Cob Yon Yon, eh bien ça pas engager la police, mais la police just a cherché Zo parce que Zo t'est impliqué dans un série de bagay qui wrong. Zo t'est dans base 400 Mao Zo. Zo t'est touye moun. Est-ce que nous comprenons? Donc pourquoi il est là, on est capable de dire du mais ça, eh bien. Si vous croisez avec monsieur, il faut comprendre que monsieur sont mauvais grain. Ce n'est pas que l'idée prend $96,900 pour t'il appli, mais c'est parce que l'idée dans la base là. Comprenez bien. Gagné au extrême, tendez à travers une interview, Jean-Renel Senatus by Gazette Haïti News. Non, interview si là, il parlait de un concept de somalisation d'Haïti. Pendant que tu as parlé avec un monde, on a évoqué ce mot, somalisation d'Haïti, c'est-à-dire le pays est en train de se somaliser. Ça veut dire que c'est gang qui prend contrôle toute institution nette, au point que ancien sénateur là, il fait des révélations sur un possible. Attendez bien, oui. Fait qui est capable de briver. Fait ça, c'est que nèg village de Dieu, tu as sous route. Pour marcher sous palais national. Entendez Jean-Renel Senatus. Cause insécurité qui est dans le pays, moi je dis que fait partie de un plan. Et plan, en 2019, j'ai eu la chance comme président de la commission justice pour me rencontrer une délégation qui est dans les Nations Unies qui a venu parler de questions de nous. Et il y a un étranger qui a parlé avec moi. Les dîmes, Haïti est sur le point de se somaliser. Vous voyez, pour l'étranger, pour me dire, Haïti n'est pas un pays de violents, et Haïti n'est pas violent. Haïti, mais c'est après, je viens de connaître, par exemple, pour l'histoire somalia. Pour l'étranger intellectuel, là, je dis, Somalia, je me dis, mais c'est quoi, somalisation? Ça veut dire, vous. Les dîmes, en Somalie, c'est les gangs qui avaient marché contre le palais national, et qui étaient pris le palais en otage. Matin, moi, bon, un journal en ligne qui tweetait, qui dit, prochain côté, monsieur Bicentenaire Bralé, c'est primature avec qui notre bureau te dit, mais c'est deux bureaux de l'État. Moi, je connais l'objectif là, c'est pas primature. L'objectif là, c'est palais national. Mais c'était un plan pendant que je venais là.
Je vais dire encore, nous dépenses à un plan. Un plan. C'est un plan. Un plan de non, de... Non. Un plan de l'étranger. Il y a un plan, malheureusement, qui est des colons haïtiens là-dedans. Il faut que nous mettions tout au nu. Il faut mettre nous sales. Il faut que nous mettions devant le monde. Et plan se rivé vers le palais national. Donc, ça veut dire que organiser gagner pour arriver vers le palais national. Moi, je m'en dis. Mais ça va rien faire parce que nous avons mourir. Je venais de mourir, mais si vous avez des informations ou des renseignements, vous appelez la police en condition D de vendredi soir. Ah bon? Si vous passez dans une panne, vous pouvez bloquer Boy Technology, Boy Tour 2004, vous bloquez net. Donc ça, je ne peux pas tomber. La police est informée. Donc plan là toujours. Plan là. Pourquoi parler? Nous disons depuis vendredi soir, la police en condition D. Et à la primature et au palais national. Ça, je qui là pour parler, qu'est-ce qu'un président? Baronné. Il a installé une barbecue. Baronné. Il a installé une barbecue dans son jour. Baronné. Mais si c'est la souveraineté de l'air, me dit, l'objectif c'est de nous rendre sales, rendre nous laides aux yeux du monde entier. Ça, il y a fait une période fréquence et dépendance à la première république noire indépendante du monde, donc il faut rentrer dans la boue. Mon cher Mabdi, vous croyez que c'est important? Moi-même, c'est. Semaine ça me prend sous moi pour me critiquer la politique internationale qui est appliquée en Haïti. Nous vous disons que c'est nous haïtiens, mais là il n'est pas qu'à nous la caille pour nous faire des ordres. Mais la coupe à moi, nous avons tout moyen pour nous dire que nous mettons de l'eau si nous faisons des ordres la caille. Nous avons tout moyen pour nous boire pour nous faire un soutien la coupe la caille. Hein? Donc moi-même, je connais m'organiser la caille. C'est ça nous manquons en Haïti. Nous sommes déclarés sur les mêmes pas innocents. Nous déclarons pas innocents. Même nous voulons dire un petit bagaille, Assad, et ça m'a dit, pour nous, c'est Sénat Jaouinel, nous avons dit bagaille, j'en crois, j'en pense. L'autre des paroles, ça, c'est plein, on ne dit rien. Mais faut me dire bien, bon pasteur, m'a répondu, monsieur, je voulais répondre en disant, quoi, bon Dieu, ça que tu n'es pas là, voilà. Ça, c'est bon Dieu, occidentaux, yo, bah, non. Et pas bon Dieu, m'connais, et pas bon Dieu, David, là. Parce que bon, nous bagaille. On est groupé à la République problème et puis pour bon Dieu dit moun pa ka touyel moun pa même ka penser à touyel y a parlé là de Iso village de Dieu. C'est comme si pasteur ça qui a prêché li mette Iso village de Dieu dans un niveau, c'est comme si c'est bon Dieu qui voyait là pour capable démasquer un série de moun. Donc c'est un puissant, il ne peut pas mourir, donc y a pas capable concocter un ken complot pour touyer Iso. Quelle est cette histoire? Pasteur a placé Iso ou bien li mette l sous une chaise. Chaise ça, c'est une chaise qui est inviolable. On ka d'accord, Iso là justement pour capable démasquer des autorités politiques, pour capable démasquer un pile moun nan pays qui a supporté bandi. Mais écoutez, m'pa quoi bon Dieu ba Iso pouvoir pour une série de bagaille. Entendez pasteur là non. Bon citoyen Haïti, tout le monde a parlé de lui. Tout le monde a parlé de lui. Monsieur fait plus hit sur les réseaux que tout le monde. Et puis, on ne peut pas le prier. Et puis, dans la soirée, bon Dieu présente l'image de monsieur. C'est citoyen ça qui est Iso. Vous voyez ça, bon Dieu dit? Il dit pas qu'on ne peut pas tuer monsieur si ce n'est pas le livre, parce qu'il servit avec monsieur même pour battre chef. Moi même ça c'est un message que bon Dieu ban moi, il pas ban moi pour me partager là avec moun. Li dit que li mette monsieur la même comme yon wop nan figi chef Haïti yo pour le caler yo. Pour le faire toute nation humilier yo, pour le faire connait que yo pas rien, c'est li qui mette li. Moi-même, ça c'est bon Dieu qui dit ça. Israël désobéit bon Dieu. Et bien, bon Dieu bail Israël yon roi. Saül, calé yon, malpété yon. Ou en nèg sa que le Isoa, si nèg yon konne pite yon pa nou mje. Ouais, monsieur, plutôt tout nèg yo d'accord pour yo entendre yo ak monsieur, rele monsieur, parle avec. Mais tout autant que y a pas gars, c'est monsieur, monsieur a vinn pi violent, l'a fait plus dégâts et yo pa ka jwenn. Ça c'est ça bon Dieu dit, c'est lui même seul qui ka retire monsieur, pas qu'on nèg qui ka manger monsieur.
Bon Dieu fin dit ça, me dit pas prier pour pays encore. Non, non pas prier, moi c'est comme. Pour là l'homme vient imaginer message que bon Dieu ban moi hein. Et puis moi tout le monde camper en face Iso et puis me dit non Iso sont innocents monsieur. Me dit si bon Dieu gagne pour le frapper, l'a frappé sénateur yo, l'a frappé député yo, l'a frappé magistrat yo, l'a frappé premier ministre yo, l'a frappé nèg politique yo, parce que monsieur pas voyager, zam yo c'est bali yo, parce que ça veut dire même zam yo bay monsieur yo, bon Dieu fait zam ça ou tourner contre nation encore. Monsieur innocent parce que c'est chital yo pour bali. Ça veut dire bâton qui bat chinois, c'est lui même encore qui bat. Ça c'est message ça que bon Dieu ban moi, il pas ban moi pour partager la monde, même dit non. Ban non. Ça veut dire Jean pays a là. Hey. Mal confirmé message dans Ésaïe 54 verset 17. Comment ça vous dit? C'est lig bay lui Jean Bougeo pour voir ça pour écraser briser parce que peuple a désobéi. Mais il dit moun qui fait volonté, nous pas besoin père pour ka faire nous rien, c'est ça. Ou souligner Ésaïe 54 verset 17. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et dans dernier point là, il dit que nous pas besoin père Jean Bougeo parce que c'est lig bay aux âmes yo gagne pour yo. Pour frapper moun kap machine en désobéissance. Mais je dis on pas wè Ariel va rien. Ou pas wè va rien. Il va rien. Là le non congrès président, vous comprenez l'autre bord, premier nèg qui manyen parti à celui. Premier nèg qui manyen et qui est qui chita à celui. Parce que bon Dieu humilié là, il fin avec là, il servi avec bandit ça ou même pour caler nation. Si nous avons bouté la prière, dit bon Dieu, fais-nous grâce. Vous entendez? On ne parle en pile. Dit bon Dieu, fais-nous grâce. Tout le monde qui a parlé, vous avez monté, parlé ceci. Il n'y a pas qu'à faire rien pour le pays. Rien, absolument rien. Le bon Dieu voulait la vie dans de l'eau glacée sous les gens et puis les gens sont frais. Ils sont frais. Seul bon Dieu. Vous comprenez? Les Américains mettent vos soldats en Haïti. Ils ne peuvent pas faire bataille ou suspendre parce que les gens ne peuvent pas chercher les Haïtiens. Ça vous a cherché à la journée. Amen. Ça vous a cherché à la journée. Alors, mes bien-aimés, pour me dire ça, si vous levez ou mangez, ou levez ou bré, ou levez ou habillez, ou rentrez ou sortir, ou dormir ou levez, bon Dieu mérite ton bravo à soi. Amen. Bon Dieu mérite ton bravo.